en Afrique, on le retrouve même en Égypte. Mm-hmm. Ouais. Donc il est un peu ça pique. Oui, ça pique, c'est acide, mais avec plus de sucre, moins concentré, ça peut donner mieux que ça. Et des feuilles de menthe. Voilà, voilà. Si t'appelles de ma isas, bibi, 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 arbi legi legi kusi sama fatte linga done ay shebo e bulki saze shiri buduna lo do ay shiri buduna hey man Fire, 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 fire. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je suis Aïssa Tounjaï. Je m'appelle Delia. Je m'appelle Ahmed Aïda. Je suis Mademoiselle Rosa. J'aime pas trop parler de moi, donc je vais faire court. Ma passion, c'est la danse. Je suis d'origine mauritanienne. J'ai 31 ans. Je suis en même temps prof de Zumba, mais depuis que je suis rentrée, j'ai pas forcément pratiqué. J'aime lire aussi. J'aime voyager. J'ai presque fait les 14 régions du Sénégal. Je suis l'aînée d'une famille de 4 filles et de 2 garçons. J'ai 2 enfants, 2 filles. Tata, on n'en sort pas. 5 ans et 3 ans, c'est ça? Pour chaque moment vécu, c'était riche en émotions de visiter la ville, de partager une discussion avec tous les participants, d'échanger. Je pense que c'est un moment que j'aimerais revivre juste pour avoir plus de connaissances dans ma vie et garder le contact avec les autres, quoi. Moi, jusque-là, je suis satisfaite, hein. Que ce soit la logistique, le transport, la nourriture, tout a été si bien organisé. D'abord même, je ne sais pas comment tu es arrivée à faire ça seule. D'habitude, il y a une équipe, mais là, pour l'avoir fait seul, on sait que tu aimes ce que tu fais, Ziggy. Et je recommande le service Travel Ziggy, ceux qui veulent découvrir le Sénégal, mais surtout rencontrer un beau monde, échanger les contacts. Et peut-être aussi que Ziggy va organiser des voyages un peu partout dans le monde. Visiter le monde aussi, pourquoi pas. Alors je m'appelle Fabienne Cardozo et puis là je suis à Saint-Louis, ça se voit d'ailleurs.
ce magnifique pont à 7 colonnes. C'est le pont fait d'herbe. C'est fait avec des herbes, hein. Mais il tient, les gars. C'était, franchement, c'était immense, c'était énorme. Parce que dans cette aventure, il y a de l'histoire, il y a également du partage, il y a aussi des rencontres assez intéressantes parce qu'on ne se ressemble pas tous et on apprend à se connaître, on apprend également à composer avec des gens qu'on ne se connaît pas et on partage beaucoup de choses et on se retrouve avec des points communs des fois et ça fait une symbiose magique. Je suis très fan de la colonisation par rapport à l'architecture et ça a toujours été un rêve pour moi de venir à Saint-Louis et j'ai jamais eu l'opportunité. Et franchement, je dis merci à Ziggy pour cette opportunité que j'ai surkiffé et c'était amazing. Franchement, je trouve que c'est super bien organisé. C'est pas du pétage, mais franchement, on se contente et on vit dans le folklore. Je recommande fortement. Et ce ne sera pas mon premier travail Ziggy, ce sera, je peux dire que c'est le commencement. Oui, ben alors j'ai vraiment beaucoup apprécié l'approche simple, vraiment au cœur des choses. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce groupe de personnes que j'ai rencontré grâce à Ziggy, un groupe aussi éclectique que vraiment intéressant. On a vécu des moments vraiment forts et j'ai beaucoup aimé aussi les différents décors qu'on a visités. C'était des décors, certains étaient mythiques, d'autres étaient vraiment simplement magnifiques. Et on a fait ça tous ensemble, c'était vraiment exceptionnel, inoubliable. Et je dis merci Ziggy. Et grâce à Ziggy Travel, on a vécu des choses super. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je représente la Guadeloupe, la Martinique, l'Angleterre, la Belgique. Et nous apprécions ce que tu fais. Et vraiment merci et bonne continuation. Et puis à la prochaine.